Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. C'est moi, Hervé Matou, qui vais essayer de vibrer devant vos actions. C'est une nouvelle journée de championnat que nous allons suivre à travers ce match. Tension très palpable, hein, déjà entre les deux équipes. Dans les tribunes également, c'est en train de monter doucement en puissance. J'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Voici la composition d'équipe locale. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1, une seule pointe. Et voici le 11 de départ de l'équipe visiteuse. L'équipe va jouer en 4-5-1. Il y a terrain renforcé donc. Allez, c'est parti, ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Ouais, il y a des options dans la surface. Le centre capté sans aucun problème. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. La frappe, c'est au-dessus. Sadi Koumar. Laurent Bertonnet. Portillo. Visiblement, on cherche la brèche en faisant tourner. Et c'est sur la barre. Ah, ils étaient sous pression. Ils dégagent. Ah, ça, c'est un bon ballon récupéré. Ah oui, c'est bien fait ça. Oh là, il fallait intervenir urgemment. Cherche une solution là. Ah, bien joué, super barré. Le corner qui est joué court. Le centre dans la surface. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Et le but, l'ouverture du score. Excellente entrée en matière. Alors on la revoit sous un autre angle, cette frappe. Elle est juste parfaite. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
ça ne passe pas la passe là. Ballon intercepté. Robert Tonnet. Ah, elle progresse bien là. Oh, le grand danger. Et la barre et l'action qui continue. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. La défense qui est à la tombée du ballon, mais le danger reste imminent. La frappe. L'arbitre qui accorde le corner. Allez, petite combinaison sur ce corner. Choisit la frappe. Ouais, pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Attention, il a du champ devant lui. Mais non, finalement, c'est un ballon perdu. Alex Centelles. Portillo. Un tacle plein de dureté et d'intensité. Il récupère le ballon. Et l'arbitre qui donne un coup franc parce qu'il a jugé que l'avantage n'était pas décisif. Il cherche une solution. Et la voilà, la frappe. Et le magnifique arrêt du gardien. Alors que sur le dernier quart d'heure, c'est quand même l'équipe visiteuse hein, qui monopolise le ballon. Ça se traduit par pas mal d'occasions de but. Et on ne serait pas surpris qu'elle prenne le large tableau d'affichage. On a décidé de laisser venir l'adversaire, hein, visiblement. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. On perd le ballon. Ils font circuler le ballon de leur camp. Et ils continuent puisque l'autre équipe ne vient pas les chercher. Bertonnet. Sadio Kumar. Ouais, très bon tacle. Il alerte son partenaire dans le dos. Intercepté. Hein, la défense est quand même sous pression. Ouais, il lui redonne. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Oh, Bertonnet. Fran Villalba. Allez, il faut centrer. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune ?
bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Et on va jouer 2 minutes de plus. Robertonnet. Sadi Koumar. Le ballon par-dessus. Ça part dans le paquet. Oh oui, il y est. Tiens, on le revoit là, ça part du bon centre. C'est une très belle dénivelée, parfaitement positionnée. Fin de la première période, un résultat favorable pour l'instant à la pause. Les attaquants qui ont donc brillé dans cette première période, et ce n'est peut-être pas fini. Allez, c'est parti, ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. La frappe, c'est au-dessus. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Robertonnet. Ah, le drapeau s'est levé, mais ça doit être vraiment limite. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. On cherche des solutions là. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Le centre est contré, ça ne donne rien. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Fran Villalba. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. En train de remonter le terrain. Sadi Koumar. La frappe. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Et nouveau corner. Le corner qui est joué court. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Et l'entraîneur qui procède à un changement. Il est bien parti ce corner.
Ouais, la volée est magnifique, mais qui n'est pas cadrée, hélas. C'était beau. Ça fait une occasion de plus pour cette équipe qui ne peut certes pas marquer à chaque fois, mais qui devrait encore marquer quelques buts supplémentaires si elle continue de dominer de cette manière. On entre dans la zone dangereuse. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Ouais, le duel. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Robert Tonnet. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Ouais, la bonne interception là pour couper cette attaque. C'est mis en profondeur. Avec du monde pour reprendre ce centre. Là, les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Robert Tonnet. Attention, il a du champ devant lui. Oh, ça peut faire but. Ah, très beau tacle, hein. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Christian Rivera. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir à mon avis. Et on voit qu'il commet bien une faute, hein, sur ce tacle. On cherche une solution. Magnifique, magnifique parade. Même si, ouais, effectivement, le drapeau s'est élevé. Position de hors-jeu signalée. Je ne vois pas trop comment l'équipe va pouvoir remonter ces deux buts d'écart. Pas montré grand chose aujourd'hui. Robert Tonnet. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Uroš Đorđević. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Ah non, la mauvaise passe. Alex Enteles. Il n'y a pas grand chose à mon avis à attendre de la fin de cette rencontre. Encore 7 minutes à jouer.
C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ouais, il y a des options dans la surface. Ah, quelle reprise de la tête, timing parfait. Ah ouais, le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barre la route. Donc il va se faire prendre le couteau comme ça. Bertonnet, ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Oh, le ballon dangereux. Oh, quelle occasion, mais quelle occasion à bout portant. Pourquoi la jouer si forte cette balle? L'entraîneur qui va faire un changement. C'est terminé, ça se termine donc par cette défaite à domicile. Il n'y a qu'à regarder le tableau d'affichage, le score est sans appel. Bien joué, super barré.